Commençons par le début. Donc, comptabilité, au lycée, Ouais. puis t'en as marre, histoire de l'art. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, mais donc j'ai vraiment voulu changer d'air parce que la compta c'était sympa. Maintenant, en changeant d'école, j'ai pas retrouvé le truc que j'avais. Et je me suis dit, bon, allez, je passe du coq à l'âne, je vais en art. La science maths, t'oublies. Donc, j'avais pas le choix. C'était un peu forcé en réalité. Et finalement, bah, je veux dire, j'ai pas mis 2 semaines à m'acclimater. Parce que j'avais une professeure qui était passionnée et elle arrivait vraiment à nous transmettre le message des techniques, etc., que ce soit le dessin. Dans le dessin, on avait cours de musique, histoire de l'art, architecture, vraiment de tout, design. Et c'est tellement riche aussi que voilà, tout simplement, voilà, t'as pas le temps de t'ennuyer en faisant toujours la même chose. C'était très diversifié et bon, j'ai fait ça jusqu'à la fin de mes humanités et tout s'est vraiment bien passé. Et donc, pour toi, finalement, quelle est l'influence de l'art dans ta vie de tous les jours? Ben, l'influence, c'est que, hormis le fait que c'était des cours, c'est devenu un passe-temps et un loisir en temps réel. Je veux dire, mes temps libres, surtout ici à Paris, je les passe au musée d'Orsay. Enfin, ça peut être à Grévin, bon, maintenant même si c'est différent. Je passe au Louvre, au centre Georges Pompidou. Il y a des expos permanentes et temporaires qui enrichissent vraiment les gens qui aiment l'art. Et voilà, donc pour moi, l'art, c'est devenu plus que des feuilles. C'est devenu vraiment quelque chose d'ancré en moi. Pour toi, quels sont les artistes qui t'ont le plus influencé? Je pense pas qu'il y ait eu une réelle influence. Maintenant, il y a eu un coup de foudre par rapport à ce que eux faisaient et à ce que moi je faisais en classe. Dali, Picasso, Matisse, enfin, je pourrais en citer plein, Kandinsky, où c'est un peu plus. Ça sort un peu de l'ordinaire, mais c'est des choses très colorées. Et à la base, je suis quelqu'un qui a un tempérament assez jovial. Et ce que je ressens, c'est comme un peu avec une musique. Je veux dire, t'as des musiques, t'as direct le feeling et tu sens qu'il y a quelque chose avec un chef-d'œuvre artistique. Je veux dire, c'est la même chose qui se passe. Tu évolues quand même dans l'une des plus belles équipes au monde, les choses comme elles sont, c'est le PSG, l'équipe phare de la Ville Lumière. Il y a l'image que Paris impose. Comment est-ce que un Belge a réussi à s'adapter et s'imposer avec autant de classe et quelques punchlines? Le journaliste m'aime bien. Dans la ville lumière. Bah écoute, je te remercie pour le mot classe. J'ai pas l'habitude d'entendre ça. Bon, je t'avoue que je pars toujours du principe où voilà, ce qui est appris n'est plus à prendre et que j'ai rien à perdre. Voilà. Non, j'ai eu pas mal de réussites. Faut avoir les bons contacts, etc. Au bon moment. Mon agent PSG, ça se fait. Après, ben voilà, tu t'adaptes, je veux dire, tu arrives en ville. Moi qui à la base, je suis un gars un peu de la campagne, puis même de la province de Luxembourg, dire, ça n'a rien à voir. Là, tu arrives à Paris, les gens ont une mentalité un peu différente. Puis on connaît un peu l'image des Français, enfin que les Belges ont des Français. Et là, tu te poses un peu des questions, tu te demandes comment ça va être. Et finalement, écoute, tout se passe bien. Le club m'a intégré d'une manière, c'était vraiment superbe. D'ailleurs, je les remercie encore. Le staff technique, les joueurs, voilà, ils m'ont intégré d'abord, je pense, pour ce que je suis humainement. Et puis après, bon, voilà, si tu es un bon footballeur, c'est toujours plus facile. Et finalement, au fur et à mesure, ben, j'ai réussi à m'imposer et à jouer beaucoup plus que ce que j'avais espéré, quoi. Donc, voilà, au point d'être, je veux dire, un titulaire, pas à part entière, mais voilà, le coach se pose toujours, je pense, des questions avant chaque match pour savoir qui va jouer. Et voilà, ça c'est un retard que j'ai su rattraper et compenser. Et ouais, maintenant, je m'aligne un peu avec les éléments titulaires de l'équipe. Comment est-ce que toi, tu décrirais un petit peu cet engouement et cette fierté d'être un diable rouge aujourd'hui? Je pense que je suis né à la bonne époque, tout simplement.
parce que ça faisait des années que le public n'avait plus rien eu à se mettre sous la dent, je veux dire. Pas qu'il n'y avait plus rien, mais que ça devenait vraiment compliqué. Je me souviens d'une interview de Pierre Miguichard qui disait qu'à une époque, il devait filer les tickets de match dans les paquets de lessive pour ramener les gens au stade, tu vois. Et ici, maintenant, bon, voilà, les gens se battent, c'est sold out à chaque match. On a une équipe de superstars, vraiment, ils jouent tous dans les plus grands clubs de première ligue, en Espagne, en Allemagne, où tu veux. Et finalement, ben, comment tu peux te sentir? Déjà honoré de pouvoir faire partie du noyau. Déjà, je parle rien que de 30 joueurs, genre de l'équipe nationale. Et en plus, être sur le terrain et jouer chaque minute qui est possible de le faire, ouais, c'est exceptionnel. Et puis, bon, l'équipe nationale, c'est rassembleur. Je veux dire, là, il n'y a plus d'Anderlecht toi qui t'insulte de sale brugeois ou des choses comme ça. C'est tout le monde dans le même bateau et voilà, et on ne forme plus qu'un. Et je crois que c'est ça un peu. C'est-à-dire que les gens suivent plus, par exemple, moi qui suis exilé, l'équipe nationale que Paris. Même si Paris reste quand même fort médiatisé. Je veux dire, quand on me parle, c'est ouais, avec les diables, t'as vu ta blessure, t'as pas joué, comment ça s'est passé et tout. Ils s'en foutent que j'ai pas joué avec le PSG. Ce qui les intéresse, c'est l'équipe nationale. Et c'est là que tu vois que ça a une certaine importance. Fast forward, dans 10, voire 15 ans, je te le souhaite. On est champion du monde. Avec les diables, tu vois que je te mets la pression. Magnifique, c'est magnifique. Champion du monde avec les diables. Coupe d'Europe, Champions League avec le PSG. Puis tu es transféré dans les autres grands clubs. Tu continues à gagner. Dans 15 ans, là-bas, sur la place du Luxembourg, on présente ton buste. Quelle est la punchline que tu veux qu'on... I just want to know, man. 15 years from now. Dans 15 ans. Dans 15 ans, bah écoute, moi, enfin, je vais rester dans le Thomas Meunier. Je vais mettre, j'ai une devise que je mets toujours sur Twitter, Instagram, etc. Ça s'appelle, c'est hashtag tôt ou tard. Donc bah, voilà ce qui signifie en résumé, tout vient à point, qui sait attendre. Et que voilà, je mettrai tout simplement ça parce que c'est ce qui me représente le mieux. Je dirais être patient et travailler pour espérer, je dirais, en recevoir quelque chose. Et voilà, sinon, si tu veux un truc clash à ce moment-là, bon, j'ai pas encore fini de ma carrière, donc il y aura encore quelques phrases à mettre dans le cahier, mais on en choisira une à ce moment-là, quand on tirera le drap. Chapeau bas. Ça peut être vu comme ça. Merci à vous. Top, top, top. C'était sympa.